Et bonjour à tous, c'est Letty Dragon et on se retrouve pour la suite du Let's Play de The Final Station, épisode 8, deuxième épisode du DLC The Only Traitor. Et ben j'espère que vous allez bien. Donc on venait d'arriver avec notre Mustang à cette nouvelle zone. Donc et ben on est reparti, je crois qu'on avait regardé sur la gauche, il n'y avait rien je crois. Ouais, c'était un cul-de-sac. Donc on est parti, on a récupéré notre pistolet et on a toujours la batte. Qui est très rapide en plus. Hein. Ah ouais, on peut enchaîner, j'avais jamais fait gaffe. C'est calme, ça va pas durer mon petit. Donc on est parti. C'est le calme avant la tempête. Oh. Il va m'attaquer. Oh, je lui mets un coup dans la tête. Couché. Il a pris un coup derrière la caboche. Bon. On a toujours la technique. Alors, on est beaucoup plus puissant qu'avec l'autre, vous avez vu ça? En deux coups. Bon, c'est les nouveaux zombies, ils sont plus résistants. En plus, on a une meilleure portée que le coup de poing, évidemment. Ou même la crosse de fusil à pompe. C'est vrai que ça a l'air calme. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font quoi là? Du... La farine? On dirait les trucs de farine pour fabriquer de la farine. Oh non, pas lui. Bon, ça va. Ouais, on dirait les trucs de farine pour faire du pain. C'est un endroit pourri pour se cacher. Il avait des cigarettes. Avec les bruits des oiseaux derrière, j'aime bien. Ça a un petit effet reposant. Pas mal l'arrière-plan aussi. Beau coin, ouais. Exactement. Un beau coin. Ça va pas durer à mon avis. On a pas mal. Le flingue a l'air beaucoup plus puissant qu'avec l'autre personnage qu'on avait. J'ai l'impression. Okay. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait pêche? Oh la vache! Il a déplacé la télé. Ah, on pouvait prendre la télé, ouais. Mais non, ma technique marche trop bien. Attends, c'est quoi? On va prendre la télé quand même. S'il y a un zombie derrière là, on sait jamais. Voilà. Ok, on a la flotte. Pilule, chiffon. On peut se refaire des soins là. On peut aller là-bas. Et on n'a pas le choix, ok. Ok, une trousse de soins. C'est rare de trouver une trousse de soins comme ça. Hein. Un moulin. Ok. Nickel, bon ça va. Là c'est pas dur. Attendez. Oh putain! Ils sont fous eux! Vous êtes au courant? J'ai une arme à feu en fait. Vous avez qu'une batte. Le mec s'en bat les couilles, il t'attaque quand même. On s'attaquait par des mecs hein, dans ce DLC. Hein. Grave, il y a des cellules dans le camion quoi. Qu'est-ce qui se passe? L'ordre de l'avènement organise une assemblée pour ceux et celles qui souhaitent se rendre à l'abri de la foi. Le gouvernement ne construit d'abri que pour les hautes sphères quand le temps viendra.
ils se permettront pas aux personnes comme vous et moi de se joindre à eux. Ils abandonneront les travailleurs ordinaires qui forment la colonne vertébrale de notre pays ensemble. Nous nous protégerons de la menace à venir. Les transports pour les intéressés arriveront lundi. Ok. Richard, j'ai supporté ta folie pendant longtemps, mais c'est la goutte d'eau. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé voir ces fanatiques. Je n'en peux plus de... Je m'en vais avec Mélissa. N'essaie pas de nous contacter. Amanda. Oula, il a les yeux rouges, lui. Oula, il est plus rapide, on dirait. C'est nouveau. Ok, il a les yeux rouges. Première fois qu'on voit un mec avec les yeux rouges, me semble-t-il. Il avait l'air plus rapide. Faut qu'on fasse gaffe. Ok. Il va nous casser les couilles, c'est qu'il y a le... J'ai obligé juste une balle avec lui, c'est chiant. Page 13. Par exemple, Arthur possédait des connexions avec les organisations criminelles et la corruption de Thornton était reconnue aussi bien dans le Nouveau Monde que dans l'Ancien. Je crois que Vermont savait dans quoi il mettait les pieds quand il a accordé une partie de l'autorité du gouvernement à ces personnes. Autant que je sache, il voulait que la nation renaisse peu, que renaisse peu importe le prix. Et au final, il aura payé le prix fort. Ils sont tous de magouille, quoi, les trois. Thornton, l'autre. Sur la version officielle, les membres du conseil sont les esprits les plus brillants du pays. Bien sûr. Cependant, nous avons pu déterminer que le conseil ne compte que 4 membres. Ils utilisent de faux noms parce que Vermont devait trouver de nouveaux partisans pour reconstruire le pays. Plusieurs de ses membres sont les personnes que le commun des mortels n'était pas préparé à retrouver au pouvoir. Cher Monsieur Dix, nous tenons à ce que vous sachiez que la publication du livre d'Alex Medim, le conseil exposé que vous avez édité, a été refusé par l'administration d'Armand White. Voilà, c'est lui que je parlais. Nous vous informons par la présence que toute future demande de publication faite par vous et Monsieur Medim sera automatiquement refusée. Les publications Omega. Tu as installé le micro, lequel? Celui de la maison de l'architecte. Oui, la semaine dernière. Alors ça a donné quoi? On dirait qu'il y a un dispositif de refroidissement. L'architecte a ça? Tu es sûr? Absolument. 3 petits points. Ça magouille. Ok, putain. On a bien géré. Hein. Ils m'ont pas touché. Hein. On a plutôt bien géré. La poudre à canon. C'est bon pour faire des balles, ça. Oh, putain. Bon, attendez, je suis en train de réfléchir. Là, il y a une échelle. Non, c'est pas lui que je voulais qu'il pète. Merde. C'est pas grave. Ok, il ne reste plus que l'essence. J'hésite à me soigner. Alors, je peux prendre quelques coups encore. Le vomisseur. Il lance loin en plus, hein. Ah, il vient pas, ce bâtard. Viens ici! Oh, l'enfoiré, il veut pas venir! Il veut pas venir. Je suis obligé de tirer dessus. Ok. Tout ça pour un message. Janine, c'est le retour de Janine.
Je n'arrive pas à me débarrasser de cette odeur de poisson. Je n'arrive pas à travailler dans cette condition. Achète des bougies aromatiques aujourd'hui. Si ça ne change rien, nous allons devoir discuter sérieusement de ton passe-temps. Allen. Il nous manque l'essence. Hein. Là-dedans, peut-être. Oh putain. Voilà. Je crois que c'est mieux à faire. Faut le faire exploser avec eux. Bon, j'avais une caisse là, mais bon. À quel moment j'aurais pu la prendre? Et du coup, le coût de la voiture, en fait, j'ai un truc que j'avais pas compris. A priori, on peut prendre que un par voiture. Donc en fait, si j'accepte, par exemple celui-là, là, et ben ça va faire partir l'autre. C'est ça que j'avais pas capté, en fait, avec le jeu. J'ai eu une voiture par la fenêtre. Vous allez à l'abri? Ouais. Vous m'emmenez? Voilà, du coup, ça compacte le dernier que j'ai, voilà. Il est mieux en médic... Il est moins bien en médicament. Mais ça veut dire quoi, au moins bien médicament C'est pas très clair. Bon, on va le prendre, allez. J'ai pas tout capté quand même. Hein. Ça sent la bière. Ah bon? Oh putain. On a plutôt bien géré, encore une fois. Oh putain. Ça va être chaud là. Ah bah l'essence. Ah il était rouge. Oh putain, c'est bon. Il s'était transformé le sale égout. Ok, on a tout. Roquette, j'aimerais demander un transfert de la deuxième équipe d'étiquetage de bouteilles vers la troisième équipe de remplissage de bière. Roger. Ah, ils font la bière, donc c'est du houblon, alors. Loul. Bon, pas trop de choix. Hein. J'ai pas envie de prendre de risques. Oh, putain. C'est bon. Reste avec lui, s'il te plaît. Merci. Ok, on a tout, on peut se barrer. On est loin de notre voiture en fait là, putain. Ah, il y a la route qui va rejoindre. Non, je peux pas prendre là. Non, ça continue. Oh putain, ils sont... Oh, je sais pas si on peut... Ah ok, c'est bon, on peut les avoir à coup de batte. Faut bien reculer quand même, parce qu'ils ont la même batte que moi à peu près. Richard, envoyez-moi aussi vite que possible les échantillons de cristaux que vous avez trouvés. Nous devons découvrir à quel point ils sont puissants par rapport à l'électrum. Ils ne changent pas une seconde à en parler à quiconque. Ou pire, les ventes, vous savez très bien le sort que vous réserve si vous vous amusez à ça. Adam Thornton, hein, le fameux. Oh. Les saligots. Tiens. On a presque plus de balles. Ah si, on rejoint le début. Ah, c'est bien trouvé. Une mine. Une mine. En vrai, on pourrait se barrer là, en vrai. Hein. Mais on va les fouiller quand même. On sait jamais. Ah oui. La kryptonite. Oh, le pauvre, il s'est fait écraser lui. Il y a rien à looter sur lui. J'ai peur. Ah, l'électrum, 41 dollars.
Salut les gars, j'ai trouvé un acheteur pour 3 caisses. N'en parlez surtout pas à Adam. Vous savez très bien ce qu'il fera de vous. Ok. Donc c'est ça l'électrum, c'est le machin, c'est de la pierre verte. Une sorte de pierre quoi. Un cristaux. On va dire. Ok, bah allez, on se casse. Hein. C'est le moment d'y aller, oui. Oui. Moi, je suis avec mon petit café. Hein. Alors, crafter. Hop. Hop. Et voilà, on a fait des balles et des soins. On ne boit pas en conduisant. Oh. On voit bien ce qu'on veut. C'est la fin du monde. Ils sont faits arrêter par les flics. C'est un comique, lui. Hein. J'aurais pas dû le prendre, ce con, je crois. On peut pas le virer? Attends une seconde. On va plutôt se faire arrêter par les zombies, là. De quel flic tu parles? Ah ouais. Pour le second, j'ai oublié où j'étais. Quand il est sec. Là. Est-ce qu'il arrive au monde? C'est pas le moment pour voir. Oh, on a hauteur. Oh là, les marécages. Bon sang. Je vais finir trempé. Ah bah, j'en ai peur. Putain, mais il y a des mecs de partout maintenant. Putain, il est résistant. J'ai mis quoi, 5 coups lui? La vache. Oh putain. Oh, je vais mourir. Putain. Qu'est-ce que vous faites dans mon église? Attendez, mais il y a quoi à droite là, du coup? Ah, mais c'est oui, bah, on peut pas aller. Ah, si. Bon bah du coup on va là. Ça donne pas envie. Ok. Bordel qu'il te fait lui. C'est la goutte d'eau, je crois que tu exagères. Il a cassé mon assiette de collection. C'est juste une assiette, je crois que tu cherchais juste une excuse pour le virer. Ok. Très intéressant. Ok. Ah, il y avait la chaise. J'ai pas vu qu'on pouvait prendre la chaise. C'est pas grave, on va l'emmener. J'emmène la chaise. On déménage. Je vois rien là. Alex, l'administration d'Armand White a refusé la publication de ton bouquin. Et Omega ne travaillera plus avec nous. C'est comme ils l'ont dit. Nos chances étaient nulles dès le départ. Et maintenant, j'en pâtis également, s'il te plaît. Fais-moi signe dès que tu as une idée. Pour la suite, Richard, le fameux Richard. Ok, des munitions de pistolet, ça c'est cool.
Oh, il avait les yeux rouges. Il est mort d'un coup quand même. Page 14. Grâce à des sources fiables au sein de l'administration, nous sommes parvenus à obtenir les noms des vraies personnes qui siègent au conseil avec Vermont White. Ah, ça c'est intéressant. Christophe Thornton, Arthur Vane, Théodore Belfour. Arthur Vane. Arthur, on avait déjà entendu lui aussi. Ce sont les hommes qui ont renversé Vermont et l'ont enfermé dans une prison privée pour le restant de ses jours. Page 15. Après avoir renversé Vermont, les membres du conseil se sont fixés un nouvel objectif: diviser et assumer le contrôle du pays. Tous les programmes institués par Vermont ont été retardés, y compris la construction du gardien, celle de murs autour de la métropole, etc. Peu de temps après, Arthur Vane disparaissait sans laisser de traces. Nous ne savons toujours pas si les autres membres du conseil sont impliqués dans cette affaire. Attendez, les deux portes doivent se rejoindre, je pense. Oh putain. Ok. Pas d'essence. Et on n'a rien trouvé encore d'ailleurs. Ni nourriture, ni eau, ni... Oh putain. J'ai envie de garder la chaise contre lui. Putain, il m'a touché ce con. Le type supposé me remplacer est malade. Donc tu viens pas pour les vacances? Je ne peux pas bouger, quelqu'un doit assurer le suivi de la météo. Des tonnes de récoltes dépendent de moi. Okay. Un parasol. Oh, un train. Un chouchou. Ah, l'essence. Je sens mal. Ils vont tous débarquer là. Ok, munitions de pistolet, c'est très très bien. Mais non, c'est pas un chouchou. C'est la maison en fait. On a dit un train, vu juste le haut. J'ai rien dit, hein. C'était une blague. Fermé, je suis parti faire des courses. Je reviens jeudi. Ouais. Bon, je sais pas quelle journée, donc bon. Tu m'excuses, hein. Ah, la bouffe. Ça sent le café. Tiens. Ah, des balles. Très très bien ça. Excellent. Oh, un bateau. Une barque. D'accord, ils vont nous faire rejoindre là. Ah, c'est sympa. Sympa les petits... Ça, on rejoint l'autre côté du coup. Ça, c'est bien ça, je trouve. Ça évite de se retaper des chemins inverses. Putain, mais... Ils sont chiants, eux. Ok, l'eau est là. On a tout. Ah, le retour de la batterie. Ah, je peux pas en faire. Le retour des musiciens, finalement.
Tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Nope. J'ai dit que j'étais malade. Je vais enregistrer les guitares. Michael a déjà fini avec la batterie et il m'attend pour la suite. Et tu penses sortir quand l'album? Je ne sais pas, difficile de fixer une date pour ce genre de choses. Je ne veux pas bâcler le travail. Ok. Michael? Hey l'ami! Quoi? S'il vous plaît, prenez-moi. Je peux payer si vous voulez. J'ai l'air d'un petit qui a besoin d'argent. Eh ben, honnêtement, oui. On va prendre le petit m'énerve avec sa bière, là. Allez, hop. On prend tout le monde, je crois, quand... comme ça. Peut-être qu'il y a un trophée, hein. De laisser personne, je sais pas. D'accord, eh ben, c'est bon, on a tout fait. On rejoint l'église. Allons-y. Merci de me prendre. Oui. Où allez-vous? Près de Ristol. Oui. L'abri, toujours l'abri. Qui était déjà fermé. On fait des balles, voilà. Un bunker à l'ouest. Je pense que c'est une bonne idée. Pas si loin. Ça n'est pas si loin. Si on passe par le canyon. Le canyon? Oulala, je sens mal ça. Non, pas le canyon. Ah, il connaît des chemins, lui. Charles Berger, là. On va peut-être le garder, monsieur Berger. Il connaît une route sur le canyon. Peut-être pour aller plus vite. Donc là, on va peut-être réfléchir, finalement. On va peut-être trouver un bon passager. Allez, je commence à gauche, cette fois. Oh la vache. Comme ils sont rapides les petits. Ah, ok, la bouffe est là. Oula, c'est quoi ça? Vito Sommil. Ah. Aïe, c'est pas ce que je voulais faire. Mais je peux pas prendre, je peux pas taper comme les autres échelles là. C'est pas les mêmes celles là. Bon, on va plus tard, on va aller là. Hey gars, tu fais quoi ici? C'est quoi, ils font du bois ici là? Moi, tu fais quoi derrière les planches? Je cherche ma hache. Je vais retourner à l'atelier et achever ces créatures. J'ai une meilleure idée. Ah. On a dit qu'on le gardait, bûcheron. Non, on prend pas. J'ai envie de garder l'autre là, parce que... Peut-être ça change le jeu, le chemin, ou je sais pas. Oh putain. Oh là là, ce qu'il m'a mis. Il m'a déglingué. Je me suis fait déglinguer. Putain. Je m'attendais pas. Oh non. Il y avait un tonneau explosif, putain, ouais mais bon. Ouais, ces échelles on peut faire ce qu'on veut.
c'est la merde là. Ah ! Merde, c'est pas trop ce que je voulais faire, mais. Putain. Oh merde. Oh, c'est bon, on peut faire la technique là. Oh putain. Nickel. Thomas, on est débordé à l'entrepôt. Tu es où? Je ne pense pas pouvoir venir, pourquoi pas? Toutes ces menaces, je pense que nous ne devrons pas les ignorer. Nous n'aurons jamais dû nous préoccuper de cet arbre. Bon sang, t'es sérieux? Ces bouffards d'écorce nous ont toujours fait suer. C'est quoi ton problème? J'ai un problème, je crois que je t'aime. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. Putain, je me suis fait déglinguer. Ah putain, là, quand même. Il a les yeux rouges maintenant aussi. Bon, c'est pas plus mal, vous allez me dire. Oh là, en manque on peut taper vite hein. Ça va, on a plutôt bien géré, j'ai pas pris trop de dégâts. Je sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. Les membres du groupe religieux appelé l'ordre de l'avènement ont pris le contrôle d'une mine de charbon au sud. Cela va nous forcer à changer nos plans de chauffage pour l'hiver. Cette année nous allons utiliser du bois, ce qui signifie que notre affaire aura de lourdes responsabilités. Richard Ducas, ministre des ressources naturelles. Ah c'est lui le fameux Richard? C'est ministre des... ressources naturelles, je sais pas quoi là. D'accord. Tout ça pour 12 dollars. Ah bah putain, je suis bien content, tiens. Il ne manque plus que la flotte. J'avais pas pris ça. Ah oui putain gars. Oh le bâtard, ce qu'il m'a mis. C'est que j'y crois pas. Anonyme, c'est le dernier avertissement. Laissez cet arbre tranquille. Anonyme, sinon vous allez le regretter. C'est ridicule. J'appelle la police. Ah d'accord. Ah oui, la Syrie, c'est la Syrie. Il ne reste plus qu'une trousse de soins. Faut qu'on fasse gaffe là. Je doute qu'il puisse y avoir des survivants. Ouais. Il y a des bouches d'égout en tout cas. Waouh, ah ben voilà, c'est ça l'arbre. N'oublie pas que un seul bûcheron ne peut survivre. Si vous en manquez un seul, vous n'êtes pas payé. J'attends un rapport dans la matinée. Ah bah tu vas attendre longtemps, je pense.
Ok, on a la flotte. Oh putain. Ah ouais, mais ils sont entre eux, quoi. Ce sont des blessures par balles. D'accord, donc ils ont envoyé l'armée, la police. Il y a de la magouille dans l'air. Hein. Bon, on le sait, mais. C'est pas des zombies, ça. Hein. Ils ont pas d'armes. Ah. Alors, non, rien. On peut faire des soins, yes. Toi, très bien. Des balles aussi. Toi, très bien. Parfait. Sympa pour l'arrogant. Ah. Quelque chose sur l'abri près de Bristol. Pas des masses. Super. Bon, alors on sait qu'on va atterrir maintenant. La route est longue. J'espère qu'il y aura des survivants. Oui, bien sûr. Tra, il faut chier. Ah, coup de batte. J'en ai marre d'user mes munitions. Bon sang. Vous étiez dans le train? Eh non, de quoi parlez-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? J'ai conduit une voiture. Ouf. Je peux venir? Bah en fait non. Je prends plus personne maintenant. Désolé. Je suis désolé. Oh non, j'ai descendu, monsieur l'arbitre. Putain, fais chier. Putain, j'ai plus que pas de soin. Merde. D'accord, ça rejoint. On leur parle. Non. Merci. Au revoir. On va se soigner. Je sens mal là. C'est quoi ça? C'est des chiens, c'est des... Oh. On l'a démonté lui. Pouf, pouf, pouf. Putain, il m'a touché. Ok, on a l'essence.
Ok, c'est tout ce qu'il y avait là, d'accord. C'est tout délabré ici, oh la vache. Oh non. Il y a quelqu'un? Ouais, il y a quelqu'un. Je vois pas. On peut peut-être passer par la droite. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Ok, il a reculé, je sais pas pourquoi, j'ai de la chance. Je suis qui empoisonne là, il a pas compris ce qu'il faisait lui. Je suis là pour rien en plus. D'accord, on est là pour rien en plus. Il y avait rien à prendre, d'accord. Comment ça, tu as désactivé le cristal? T'as perdu la tête? C'est un ordre direct d'Adam. Ils veulent le transporter par train. Le transporter où? Ils font quoi de nous? Toute la ville en dépend, je sais. Mais les ordres sont les ordres. Ah. Ouh, c'est pas mal ce que j'ai fait là. Ah, dommage. J'allais dire c'est imparfait. Non. Presque parfait. Ah putain, on peut leur envoyer les boules vertes. Je me suis dit, on va essayer. Puis peut-être que. Eh oui, ils ont fait. On peut leur envoyer ces boules vertes, d'accord. Ils te disent pas, hein. Faut deviner toi-même. Ok, il avait les yeux rouges en plus de con. Ils sont flingues. Très très bien. Il nous manque la bouffe. Plus que la bouffe. Ok, lui il est mort. Qu'est-ce qu'on fait là? Cher Adam, maintenant que vous et mon fils Armand. Son fils Armand, ah d'accord. A obtenu vos diplômes de lycéen, un bel avenir s'ouvre devant vous. Il est important que vous demandiez une faveur à présent parce que je ne pense pas avoir d'autres opportunités. Un nommé Arthur Van devrait revenir un jour et je veux que vous fassiez tout votre possible pour le tenir éloigné de mon fils. Cela ne devrait arriver avant plusieurs décennies, c'est pourquoi il est très important que vous en rappeliez. Dans le cas contraire, le futur sera impossible à changer. D'accord, c'est le père de Adam. Traiteur. Il y a un fusil de traite. Donc c'est le père de Armand, ça? J'entends des voix. Moi, j'entends rien. Ah oui. Tu étais censé endommager le cristal. Ça faisait partie du marché. Je crois qu'ils n'auront aucun souci avec le gardien. C'est important, avec ou sans cristal. Ils s'en foutent. Ce qui importe, c'est que tu n'as pas réussi le test. Oh, un test. Et pour l'abri, vous l'avez laissé ouvert pour les miens? Je crois que j'ai oublié. Désolé, trop de boulot. Dommage. Je pensais que vous aviez réalisé comment cela allait finir. C'était inévitable, Adam. Il va mourir? Nous verrons. Armand voulait te parler. Armand, il est ici? Oui. Allons-y, j'ouvre la porte. Ouais. Je suis là en fait, hein. Tout le monde s'en fout. Adam, je ne pense pas que c'est.
que ce machiniste soit option fiable, mais il a une chance qu'il réussisse. Forgeron, quand on voit les conditions, une chance est déjà beaucoup. Adam, il va apparaître aujourd'hui. Vous avez peur? Je suis trop important pour eux, je n'ai rien à craindre. Hé, attends! On en reparlera plus tard. Quoi? Comment ça on en reparlera plus tard? Genre, ils ont disparu quoi. Ils sont allés où? Revenez! Organisation des réunions d'Adam Thornton. 11h Alex, midi annulé. Richard Green, responsable des ateliers. Vanessa Ridley, ingénieur en chef. Un tour important, Edward Jones, machiniste. Ok. Ouais. Bon. On peut y aller. J'ai du mal à tout comprendre quand même, hein, le projet là, mais. Allez, c'est parti! Alors, est-ce que je peux se crafter un truc? Pourquoi tu veux pas que je vienne avec toi? On peut se faire des balles. Voilà. On est pas mal au niveau munitions là. C'est là. Ah boy. Les montagnes à l'ouest. On va commencer par s'arrêter. Je dois aussi faire une pause. Bah, je pense que nous aussi on va s'arrêter là. 48 minutes. Et on continuera au prochain épisode. Bon, bah, le DLC, je pensais qu'il sera peut-être plus long que prévu. Tant mieux. Ah, c'est la pause. On peut faire des achats là. Attendez. Salut. Ou. Désolé. Ils sont handicapés ici ou. T'as quoi? Mais je peux rien acheter. Ah si, ça y est, t'as fallu lui parler deux fois ce con. On va prendre des soins. Je peux pas prendre des balles. Je peux pas monter, c'est normal. Ah ça y est. Voilà. Tu étais prêt, je peux y aller maintenant. Bon bah attendez, voilà, on va arriver au prochain endroit et on s'arrêtera là. C'était juste la pause. Oh, sympa. Mais te dire. Je vais pas dire pour récupérer des proches. Femme ou enfant. On n'a pas le temps de faire de détour, nous. Je tiens le fichier, toi. Bah, tu te démerdes. Et que chez toi, ça veut dire faire un détour. Jusqu'à l'abri, c'est mon but. Au moins il le dit, on le dit, c'est clair et net comme ça. Je n'attends rien du tout, très très bien. Très très bien Marc. Je suis tout seul. Je n'ai personne en Harley Davidson.
déjà dans le fossé avec le nez brisé. Sérieux? Ah, mais c'est un bûcheron en même temps. Je serais en train de condamner cette voiture pour la retrouver. Il commence à me faire peur, ce bûcheron, finalement. Hein? Monsieur Marc. Oula, il fait nuit. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. On continuera au prochain épisode. La nuit tombe. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Bon, moi c'est toujours aussi cool, on se balade bien. Bon, on comprend pas trop l'histoire. Hein. J'ai un peu de mal. Je crois que la fin ça va être pareil, on va rien comprendre. Ça va être magique. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite du Let's Play. Portez-vous bien. Et bye bye.